On se trouve ici en plein cœur du Stade d'Eau Vive de Metz, un des rares bassins d'Europe à se situer en plein centre-ville, alors que pourtant il est très arboré, il compte plus de 200 arbres. Il a une longueur de 400 mètres pour un débit de 12 mètres cubes seconde, ce qui nous permet d'accueillir des courses de standard national, voire international. Metz, c'est un bassin où tu vas voir, comme la vague là-haut, tu vas avoir une vague, une zone assez calme, une vague, une zone assez calme. Donc ça va vraiment avoir, il va vraiment y avoir des temps forts dans les courses, des temps où il va falloir être très technique et placer son bateau, notamment à la vanne, à la vague numéro 2 et à la vague 3 qui est en dessous. Et après, tu vas avoir des zones un peu comme on a là, où c'est beaucoup plus déroulant et où là, ça va plus être de l'expression physique. Et je pense qu'en France, c'est un des seuls bassins où tu as cette spécificité-là. En 98, il y a eu les championnats du monde universitaire qui a vu le premier titre international de Tony Estanguet. Ensuite, c'est surtout à partir de 2011 qu'on a commencé à organiser des championnats de France d'envergure. Ça a fait 2011, 2014, 2017, 2019 et maintenant 2022. Et donc les meilleurs Français vont venir s'affronter. On aura la présence d'un grand nombre d'athlètes en équipe de France et certains qui sont déjà en préparation olympique finalement. Le département de la Moselle est assez dynamique en canoë et kayak. Il y a de bonnes écoles de pagaie, il y a de bonnes petites compétitions départementales. Et ça permet de voir émerger parfois certains athlètes au niveau national. Il faut absolument que tu gardes plus la pointe vers le haut, là tu sors vraiment de la vague. Garde quand tu pars, là, on va checker si Eva elle le fait parce qu'elle ne le fait pas trop mal. Tu vois, tu conserves la pointe vers le haut, du coup elle se fait bloquer par le contre. Bon là c'est un peu trop, mais dans l'optique tu vois, elle va vraiment bloquer la pointe. Ouais, tu dois bloquer au déflecteur. Alors le club de Metz, le kayak club de Metz, il est assez ancien, il existe depuis 1936, donc ça fait près de 80 ans d'existence. C'est quand même un gros club dans le paysage français, on est 200 licenciés, mais il y a près de 10 000 pratiquants sur la saison estivale qui viennent pousser les portes et embarquer sur l'eau. Et ensuite, des compétiteurs, que ce soit en slalom, la discipline olympique de prédilection du club, mais également en course en ligne, la seconde discipline olympique du canoë-kayak. À nous, la labellisation, ça nous apporte un plus en termes de renommée. On a quelques contacts, notamment avec la Suisse, l'Irlande et le Portugal. On a un petit peu des Allemands, des Luxembourgeois, des Belges qui viennent. Mais voilà, c'est parce qu'on est proche de la frontière. Et ce qu'on souhaite, c'est avoir une plus grande renommée européenne et après pouvoir proposer des courses internationales dans le circuit européen déjà.